Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Content de vous retrouver aujourd'hui pour de nouvelles astuces informatiques. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Jouet et je suis informaticien. Dans les vidéos quotidiennes de ma chaîne, je vous donne des astuces pour votre téléphone portable, votre ordinateur, des sites pour gagner de l'argent en ligne et également les tests et déballages de produits high-tech. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous donner une astuce qui va vous permettre de vérifier si votre téléphone portable est un original ou alors un faux. Parce que de nos jours, sur le marché, on trouve vraiment de toutes sortes. Il y a des téléphones, des copies qui sont vraiment conformes et qui embrouillent parfois l'acheteur. Et vous ne savez parfois pas forcément comment faire pour savoir si c'est un vrai ou alors une imitation. Donc, en suivant les quelques astuces que je vais vous montrer, vous allez dorénavant savoir si votre téléphone que vous utilisez est un vrai ou alors si le prochain téléphone que vous voulez acheter, vous allez pouvoir vérifier son authenticité avant de procéder à son achat. On se retrouve tout de suite sur mon téléphone. Une fois que vous êtes sur votre portable, vous ouvrez téléphone et dans le téléphone, vous allez composer le code étoile 10 06 10. Ça va vous donner votre code email qui est comme l'identifiant unique du téléphone. C'est un code très important. Avec ce code, on peut retracer un téléphone, on peut le bloquer, on peut faire plein de choses. Donc, vous allez noter ce code attentivement et par la suite, vous allez ouvrir un navigateur. Vous allez sur le site email.info. email.info comme ceci et vous lancez la recherche. Maintenant le site va s'ouvrir et dans cette case que vous voyez au milieu là, vous allez entrer votre email là pour vérifier l'authenticité du téléphone. Par exemple, moi je vais entrer ce que j'ai sous la main, c'est le 35 54 700, voilà, 700 801 71 62 et 8. Faites attention à bien entrer votre code parce que si vous entrez un code erroné, le résultat aussi sera erroné. Donc lorsque vous avez entré ce code, vous allez aller à je ne suis pas un robot, vous checkez cette case là, vous cochez la case pour confirmer que c'est un humain qui veut vérifier ces informations. Et vous allez sur check. Quand vous cliquez sur check, cette plateforme, ce site va analyser l'email là qui est unique et va vous donner la marque du téléphone, son modèle et d'autres infos dessus quoi. Donc vous allez vérifier. Par exemple, moi en ce moment là, je le fais sur un LG G6 et je confirme ici que c'est un LG G6 que je suis en train de vouloir acheter ou alors de tester. Si vous faites le vôtre et que le résultat obtenu n'est pas le téléphone que vous avez sous la main, il faut fuir rapidement parce que c'est une arnaque, c'est une copie, c'est un faux. Donc j'espère que cette vidéo va vous aider, cette vidéo va aider plus d'un d'entre vous. Posez-moi vos questions dans les commentaires et on se voit à la prochaine.